Toutes les marches sont safe au fait? C'est quoi? Toutes les marches sont safe? Ok. La fameuse corde qu'on a trouvée. Ici, oui, c'est la pièce la plus présente. Elle est juste devant la pièce à côté. Tu la vois là. Ah oui? Bonsoir à tout le monde. Au revoir. Je vais vous permettre de prendre vos jouets.
Voilà, avec le mec là, pour vous aider un petit peu à... Je me demande si c'est pas très grave aussi, je suis vraiment brûlé. Je suis super mal à l'aise, je sais pas. C'est quoi ça, en fait? Allez-y, s'il vous plaît, faire un juste avec des appareils. Et une balle au sol. Je vais faire la balle. Ça va tout, faire des bûches. Ça va être calme. Est-ce que vous pouvez dire dans le caméra ce qui s'est passé ici? Oh, il y a une corde. Bonsoir. De quoi? Le nounours? Allez-y. Il y a un enfant avec deux enfants qui viennent. Toucher la boîte rouge, il a été élevé. Il a tout chanté. Ça fait pas mal. Allez-y. On a, vous avez le droit de tout faire. Et la femme qui se trouve au sein, vous avez le droit de jouer à la brise. C'est le top du top. Est-ce qu'il y a des enfants sur terre dans les nounours? Quel nounours qui va pas? Il va plus. Est-ce qu'il y a une femme avec lui? Y a-t-il eu un drame familial dans cette maison? C'est un bruit fort au toucher qu'on a posé au sol. Y a-t-il eu un drame familial? Toucher le nounours, il faut dire oui. Et pour dire non, vous pouvez toucher l'antenne de la boîte rouge, alors, pour dire non. Y a-t-il eu un drame familial dans cette maison? Était-ce à l'hôpital avant? C'est très très important. Si c'était à l'hôpital.
Est-ce que vous avez peur de communiquer avec nous, s'il vous plaît? Allumez-nous nous si c'est clair. Je sais que nous allons peut-être être très impressionnant, mais ne vous inquiétez pas, on ne vous fera aucun mal. Ces matériels peuvent nous permettre de rentrer en contact avec vous et faire passer des messages si vous avez des messages à faire passer à des personnes qui vous sont proches. C'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain! T'as vu un abeille juste en dessous de la tête? Non, non, pour moi. Un petit truc pour moi qui passe juste en dessous de la tête, c'est comme une petite chose. Là, tu as vu? C'est un chien. Je sais pas. Non, c'est un chien. Juste là. Non, non, ça a volé, ça passe en dessous, un petit pont noir. J'ai. T'en as déjà vu là où le plan? Oui, j'avais pas ma tête. S'il vous plaît, arrêtez de jouer avec nous là! C'est un enfant qui ne fait pas. C'est un gros noir. Il a l'air. Allez, en fait, ça a rentré dans le petit trou. J'ai juste pour le voir. Ah, c'est rentré. C'est rentré dans le petit trou. Je vais lancer la caméra. Ouais, tout de suite. Vous voyez. C'est rentré dans le petit trou. Dans le trou, là, c'est là, en fait. C'est possible que ce soit la même chose que nous. C'est possible. Après, je ne sais pas. Bon les amis, on est en enquête. Donc dans l'hôpital que vous connaissez, donc là où j'ai mis un plan fixe, que je vais mettre en route. Je vais synchroniser avec une caméra. Oh là là, la mienne, pour que je la tienne. Désolé pour l'état de bruit. Je fais comme je peux. Ah, j'ai un dictaphone en route. Ok. Donc là. Je vais lancer l'enregistrement. Ok. Ah, 6 minutes 17. Je redescends. C'est moi, t'inquiète. C'est pas possible. Deux minutes. Voilà. Cette caméra là en fait, celle que vous voyez là. Voilà. Elle vise tout le coin ici. Voilà. Vous voyez. Voilà. En partenariat. Aussi un enregistreur, mais je peux y arriver. Cette fois-ci, je vais vous montrer. Que je descende. Hop. Ici, voilà. Qui prend aussi toute la zone. Pourquoi ça clignote là-haut? J'ai rien compris là. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça clignote? Ça devrait pas. Ça doit être normal. Bon, enfin, de toute façon, ce soir, je vais cadrer comme je peux. Et comme je veux. Je redescends. Voilà, donc là je vous demande, ben, il y a déjà tout le paranormal.
Et puis, Guillaume et Sabrina, deux autres paranormales. Allez, approchez-vous, les enfants. Dites-le dans les caméras. Parlez bien fort. Allez-y. Elle va s'allumer, toute la lumière. Vous l'avez touché avant. Jouez avec la peluche, c'est un petit nounou. Allez-y, remplacez les effets de la roche, je suis un petit nounou. Moi, c'est un jeu de pierre pour le petit nounou. J'ai un nounou de ma tâche. Donc c'est un budget de pierre. Est-ce que tu peux remplir un petit peu? Là, la corde, elle me fait flipper, là. La corde, ça me fait flipper, là. Là, elle se touche pas, elle se touche pas. La première fois, on l'a découvert, on s'est dit, mais ça, qu'est-ce qui s'est passé, quoi.
Bonsoir. Bonjour, la porte qu'il y a là. Je veux savoir si. Si ce soir, on est quelqu'un avec nous. J'ai une bonne. Allez-y. Il n'y a pas de particulier. J'ai une pierre même. J'ai une pierre pour faire pour. C'est quoi ça? Dis-moi. C'est sûr que tu un peu loin. Ah, j'ai pas de super. Ouais. Ah oui. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Oh, c'est chaud, ça craint. J'ai le pote qui est sur le bidon. C'est sur le bidon. Ah, ouais. Allez, c'est bien, ma peur. C'est juste au c'est pas loin. J'ai essayé, là. Oh, c'est un peu plus tard, non? C'est pas loin. Je vais laisser tout seul là-bas. Viens ici. C'est ça, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on quitte les pièces. Ouais. Sabrina! Attends deux secondes, s'il te plaît. Oh bah, vous pouvez laisser jouer, hein. Pareil. Profitez bien des jouets. Vous pouvez jouer. Je vais les ramener pour vous. Allez, moi, vous approchons de l'envers. D'accord. Et ça fait un écran. Et ah, ah non, c'est le beige qui me donne. Ah d'accord, je crois qu'il y a une. Elle s'allume moi de plusieurs couleurs qui est très amusante ici. N'hésitez pas de le faire. Je vais toucher ces appareils. Deux amusants, hein. Allez-y, hein. Bonsoir, c'est Guillaume. Je suis avec Léves, Olivier, Axel Obama, Léves, Sabina, et puis ça fait une grande main. Léves, bonjour ce soir. Pour avoir une petite réponse. Et c'est pour comprendre ce qui s'est passé. Votre passé. C'est un peu heureux. Vous êtes très loin, si vous pouvez toucher l'appareil qui est sur la chaise, s'il vous plaît. Allez-y, ne faites pas toucher les appareils. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est bon. Est-ce que vous êtes ici dans cette demeure, à l'étage ou en bas, s'il vous plaît? Encore des bouts de stylo. C'est peut-être moi qui fouille dans mes poches là. Oui. Ah. Ok. Il va falloir que j'avance jusqu'à. Allez, jetez une pierre, vous allez faire avant. Il y a de l'eau qui tombe. Oui, c'est normal. On va prendre en compte qu'il y a de l'eau qui tombe. Ah, putain. Ah, mais il y a de l'eau. Dites,
Dites-moi votre prénom, par exemple. On vous a dit comment nous on s'appelle. Vous pouvez nous dire comment vous vous appelez. Ah, c'est pour ça que je suis le coup. Ah, j'ai plus la vidéo, d'accord. Il y a des escaliers. Là, c'est ouf comme ça. Ouais, en haut, à côté gauche, t'as deux chambres. De côté, t'as la cuisine. D'accord. Mais par contre, c'est un peu fermé. Ouais, ça, j'ai vu. Hein? C'est normal, il y a une autre cuisine. Oh putain, c'est une cave. Ouais. Allez-y, jouez avec les appareils, s'il vous plaît. Allez-y, je sais. Vous n'avez pas envie de jouer? Vous a fait du mal. Qui lui a parlé de ce truc?